aujourd'hui, c'est une journée pleine d'émotions qui nous attend. On va pouvoir mettre à profit nos projets. Un cupsong géant avec toutes les personnes de Vienne qui veulent le faire avec nous. Bah, on va tous se réunir au Jardin de Cybèle et le faire tous ensemble. Et ça va être plein d'émotions et trop, trop cool. Il y aura une structure gonflable qui sera mise en place pour les enfants de la ville de Vienne. Et voilà. Ensuite, à la salle des fêtes de Vienne, il y aura la game over, tout ce qui tourne autour du jeu vidéo. Et ça a ouvert des escaliers. Allez, et elle va tout en haut. Ensuite, entre le jardin de Cybèle et la salle des fêtes, pardon, on a un exposé, comme un genre d'exposé sur les déchets qui font pas, qui ont pollué la ville. Et une commission qui est culture et patrimoine a mis en place le projet Police Écolo. Et c'est pour dire aux enfants et aux adultes de la ville de Vienne de ne pas polluer la ville car c'est un mauvais exemple. Bonjour. Donc on fait une action pour amende pollueur. Donc c'est pour les gens qui ont déjà pollué. Donc comme vous avez déjà tous pollué une fois, on va vous donner une amende. C'est 68 euros d'amende, tu peux t'acheter un jeu vidéo. Les parents aussi, il faut pas les... Mais il faudrait aussi qu'on vienne les parents. Parce que souvent, c'est les enfants qui vont éduquer les parents maintenant. Depuis tout à l'heure qu'ils rêvent, ils ont déjà échangé la foi, mais ils ont déjà échangé la foi. Il y avait le concours du blason de Vienne aussi. Blason de Vienne. Redessiner le blason de Vienne. Donc, c'est-à-dire que nous avions des critères qu'il fallait respecter. Donc, mettre minimum 2 symboles de Vienne, comme le théâtre antique, le Rhône, le Trente et tous les monuments de Vienne. Et nous devons, et les enfants devaient, à partir du début avril, il me semble, nous faire des dessins en rapport avec les critères qui sont faits pour essayer d'illustrer un nouveau blason de Vienne. Donc en ce jour, nous avons donc récolté une dizaine de dessins et nous en avons retenu 4. Donc dans la catégorie plus de 10 ans, nous avons ce premier dessin. Voilà. Qui a donc illustré le théâtre antique qui est là et le temple représenté, voilà, avec la petite signature de Vienne. Celui-ci également, qui représente la pyramide du cirque, pardon, où on peut voir donc URBS, le signe de Vienne, les aigles et une coloration française, donc en bleu, blanc, rouge, avec un peu de laurier, voilà. Nous avons maintenant également dans la catégorie moins de 10 ans un dessin donc réalisé comme ceci qui se rapprochait beaucoup du blason original mais avec 2-3 changements. Nous avons la devise de Vienne, les deux aigles royaux, l'orme et le château. Et donc nous avons en moins de 10 ans notre grand vainqueur que nous avons décidé pour l'originalité, qui a été complètement changée par rapport au blason original. Voilà. Et donc, nous avons retenu celui-ci qui a gagné le Grand Prix.
Voilà. Un petit débriefing de cette journée. Oh, c'est toi qui filmes maintenant ? Oui, c'est moi qui filme. Alors, bah écoute, moi je suis contente de vous, je suis fière de vous. Vous avez eu des beaux projets, vous avez pu les expliquer à la population. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? T'es contente toi aussi ? Voilà, donc vous finissez votre mandat en ayant reçu à peu près 500 personnes, il paraît, à la salle des fêtes. Hein ? Et puis le Capson, où il y a eu une petite centaine de personnes. Donc je suis fière de vous. Vous avez fait une jolie animation. L'exposition là, sur les jeux vidéo, bah, finalement, ça a beaucoup plu à des parents. Moi, j'ai entendu tout l'après-midi des parents dire bah, « viens voir avec quoi je jouais moi quand j'étais petite ». Donc c'était exactement votre objectif. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez cette journée ? L'objectif est atteint ? On est vraiment content. Vous êtes vraiment content ? Bah, vous êtes défoncés là pendant tout ce mandat. Hein, vous avez fait des belles choses, vous avez été une bonne équipe tous ensemble. Bah c'est presque la fin, c'est pas encore tout à fait fini. On a le 2 juin notre dernière séance plénière. Et puis après, c'est fini. Bye bye, on se voit plus. Alors ceux qui sont en CM2 cette année pourront se représenter l'année prochaine. Ils seront en 6e. C'est ton cas ? Oui. Ah, t'avais pas réagi. Ça, on va garder à jamais. C'est gravé dans nos mémoires. C'est trop cool parce que c'est trop joli.